Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du lait d'Argence. Cette vidéo, c'est tout simplement pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. La question, c'était de savoir quel est le meilleur d'Argence pour ceux qui sont clairs. Alors j'avais fait une vidéo où j'avais présenté les différents types de d'Argence, à savoir le d'Argence au beurre de karité, le d'Argence au miel, le d'Argence au collagène. Il y a pas mal de types, différents types de d'Argence. Donc, pas mal de gens ont voulu savoir quel était le meilleur pour ceux qui sont clairs. Alors, honnêtement, je ne saurais répondre à cette question. Alors, il faut savoir que les laits d'Argence, quand vous lisez la description, ça dit presque la même chose. C'est ce que j'ai remarqué. D'ailleurs, même, je vais faire une autre vidéo sur d'Argence. Je vais avoir différents laits d'Argence. Comme ça, on va lire la description ensemble. Vous allez voir. Voilà. Donc, la description est presque pareille. Ça promet presque les mêmes choses. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir dire que celui-ci est meilleur, celui-là n'est pas bon pour ceux qui sont clairs et tout. Alors, moi, j'utilise d'Argence. J'ai l'habitude d'utiliser le d'Argence au beurre de karité. Donc, c'est ce que j'utilise souvent. Mais en ce moment-ci, je suis en train d'utiliser celui que vous voyez sur votre écran. Donc, celui-ci est fait avec la vitamine C, la vitamine E et la vitamine B5. C'est ce que je suis en train d'utiliser. J'applique ça seulement sur mon corps, excepté mon visage. Parce que quand j'applique le lait d'Argence sur mon visage, ma peau réagit mal. J'ai souvent l'allergie sur mon visage. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des parabènes et tout. Donc, voilà. Donc, j'utilise ça sur mon corps pour hydrater mon corps. Alors, il faut savoir que les laits d'Argence, cette marque, mise beaucoup plus sur la texture de la peau, c'est-à-dire l'hydratation de la peau. Voilà. Ils ne misent pas trop sur la couleur ou bien le teint. C'est vrai qu'en lisant, ils promettent c'est écrit quelque part que ça illumine. Mais je dirais, d'Argence mise beaucoup plus sur l'hydratation de la peau. Vous allez voir, souvent il précise peau sèche, peau extrêmement sèche, voilà. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir. Je dirais que c'est pas beau. Il ne mise pas trop sur le teint. Alors pour vous qui aimeriez savoir lequel, quel est le d'Argence qui serait bien pour vous, je dirais tout simplement essayez d'étudier votre peau. Vous avez l'habitude d'utiliser des laits, donc vous savez que tel ingrédient souvent ça marche bien avec ma peau. Donc si vous pensez que le beurre de karité, les laits qui sont faits avec les beurres de karité marchent souvent super bien avec votre peau, souvent ça illumine votre teint, ça embellit la texture de votre peau, et ben optez pour le d'Argence au beurre de karité. Donc vous pouvez acheter le petit format, il y a des formats qui sont vraiment minuscules. Donc, vous pouvez acheter le petit format juste pour tester et ensuite opter pour le grand si ça marche. Maintenant, si ça ne marche pas, vous pouvez toutefois changer jusqu'à ce que vous allez tomber sur celui qui va vous plaire. Donc, voilà. Mais moi, en ce moment-ci, j'utilise celui qui est fait à la vitamine C. Ma maman utilise le d'Argence au beurre de karité. Donc, ça fait des années, elle n'utilise que le d'Argence au beurre de karité. Par contre, elle utilise la crème d'Argence. Et elle trouve que ça marche bien avec elle. Elle applique ça même sur son visage. Elle n'a pas de souci avec ça. Elle est claire de teint. Ma maman est claire. Donc elle utilise ce d'Argence-là. Et je ne trouve pas vraiment de changement. Donc je dirais que j'ai déjà utilisé deux ou trois différents types de d'Argence. Je ne vois pas trop de différence au niveau du teint. Moi, j'utilise ces laits-ci juste pour hydrater ma peau. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un lait qui traite ou qui. J'ai deux différents types de lait. Donc, j'ai celui qui traite le teint, c'est-à-dire qui embellit le teint, et l'autre, c'est pour hydrater. Donc, j'utilise le Snail White pour juste booster l'éclat de mon teint. Et après, d'Argence, c'est pour hydrater ma peau. Mais ça n'a rien à voir avec le teint. Donc, je ne saurais vraiment répondre à cette question.
Alors, merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous pensez que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ou si vous avez encore une autre question concernant le lait Diagance ou la marque Diagance, eh bien, n'hésitez pas à poser votre question. Je vous répondrai. À la prochaine. Bye bye.